Hello, hello, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, une nouvelle thématique qu'on va commencer sur ma chaîne. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur Instagram. Je lance en ce moment une série de vidéos sur l'après-accouchement, la vie de maman, tout ça et quelques sujets qui peuvent être tabous ou des sujets où les femmes sont jugées ou se jugent entre elles. J'ai eu aussi des questions sur Instagram sur ce sujet et je me suis dit que je vais en parler dans une vidéo, ça sera beaucoup mieux. Comme vous savez, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la méthode Montessori, de l'éducation positive, des violences éducatives ordinaires. Récemment aussi, je ne suis pas jolie, elle a parlé de ce sujet-là et j'ai voulu aussi vous apporter aujourd'hui mon point de vue à moi et je vais vous parler de 10 commandements qui sont dans la liste des violences éducatives ordinaires que je trouve qui sont pas cohérentes ou en tout cas ne peuvent pas marcher avec des enfants de tout âge. Il y a certains qui sont vraiment pour moi du n'importe quoi. Chacun bien sûr fait comme il veut avec ses enfants. Très très important, je dois vous dire, je vous le dis tout le temps, vous êtes des super parents. En tout cas, moi j'ai plus de maman que de papa sur Instagram, sur YouTube. Vous êtes des super mamans, tout est fait avec amour, tout ce qui est fait avec amour ne peut être que bien pour vos enfants. Ne culpabilisez pas, c'est très 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 important. Donc voilà, et juste de l'amour pour vos enfants et tout ira très 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 bien. Le premier commandement, c'est ne pas forcer un enfant à goûter ou à finir son assiette. Donc, oui, ne pas forcer un enfant à finir son assiette, ça peut être logique, ça dépend vraiment de son humeur. Des fois, il veut manger moins, certains jours, c'est moins que d'autres. Mais ne pas forcer un enfant à goûter, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens parce que les enfants ne connaissent pas vraiment les goûts des choses, ce qui est bien en alimentation pour eux ou pas. Donc pour moi, à partir du moment où je dis à mon fils, je lui montre quelque chose qu'il n'a pas envie de manger, je lui demande de goûter. Et s'il goûte et qu'il n'aime pas, bah, il n'aime pas dans son état actuel et que j'essaierai d'intégrer d'une autre manière dans son alimentation parce que je sais que c'est bien pour lui. Comme je vous avais montré dans les deux vidéos routine alimentaire pour mon fils, si vous avez du mal à faire manger des légumes et des fruits à vos enfants, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Mais c'est très important de forcer un enfant à goûter parce que il saura s'il aime ou pas. Mon fils, souvent, il n'aime pas au visuel et après, il aime quand il goûte. Le deuxième commandement, c'est ne pas mettre un enfant sur le pot s'il ne l'a pas demandé. Je pense que c'est très très rare les enfants qui vont demander de eux-mêmes aller sur le pot. Ça va aussi différent, enfin ça va être différent d'un garçon à une fille. Une fille développe ça beaucoup plus tôt, comme elle développe la parole beaucoup plus tôt qu'un garçon. Ils sont tranquilles comme ça, ils doivent pas se prendre la tête à réfléchir ou à se contrôler mais évoluer. Je pense que c'est pas un bon moyen d'accompagner les enfants. Par contre, je suis pas non plus d'accord sur les gens qui mettent les enfants sur le pot à 1 an, 18 mois, parce que ça dépend fille ou garçon. Ils peuvent ne pas avoir assez conscience de ce qu'ils doivent faire et tout. Donc vers 2-3 ans, je pense que c'est un bon âge. Ça dépend aussi de chaque enfant, de son développement à lui. Mais oui, les accompagner, je trouve ça très très important. Le commandement d'après, c'est proposer l'allaitement ou le repas d'un enfant en fonction de sa faim, pas en fonction de nos horaires à nous ou des horaires qu'on aurait fixés pour lui. Donc ça aussi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il y a certains enfants qui sont vraiment feignants. Moi, mon fils, même quand il était bébé, il était feignant, il voulait pas téter. Il pouvait rester à dormir toute la journée. Si je proposais pas de téter, il ne tétait pas. Et le problème, c'est que ça, quand j'ai suivi, en fait, quand j'ai suivi son envie de téter, ça ne marchait pas du tout et mon allaitement s'est pas mis correctement en place. Donc j'ai dû abandonner très très rapidement, passer au mixte, après passer juste uniquement au biberon. Donc je pense que ça dépend de l'enfant. Je pense que nos enfants, on doit les accompagner d'une bonne manière, comme je disais au début, avec amour. Mais non, je ne vais pas attendre que mon fils me dise qu'il a faim pour que je lui donne à manger. Il y a une certaine routine qu'on doit installer chez les enfants, je trouve. Un autre commandement, c'est ne pas mettre un enfant au coin. Ça aussi, je ne suis pas vraiment d'accord à 100% avec ce commandement-là. Ça dépend vraiment de la manière dont vous le faites. Moi, je dis à mon fils, par exemple, qu'il va réfléchir. Pas forcément dans un coin, mais il va réfléchir à ce qu'il a fait. Je pense que c'est très, très important
de pas laisser l'enfant faire vraiment ce qu'il veut. Il y a bien des petits moments où il va devoir réfléchir à quelque chose qu'il a fait. Le truc, c'est que toutes les personnes que j'ai entendu parler un petit peu de violence éducative ordinaire, c'est des gens qui ont des enfants en bas âge. Sachez qu'après, en fonction de l'âge, les enfants changent vraiment de comportement et ils ont leur phase rebelle. Donc, si à un moment on prend pas les devants et on prend pas le problème pour le résoudre, bien sûr, avec une bonne manière, avec la discussion avec mon fils, on discute énormément des bêtises qu'il fait. Il en fait beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Et ne me dites pas aussi qu'un enfant qui n'a pas, qui a suivi cette méthode-là depuis bébé, va pas faire de bêtises étant grand. Ils vont voir à la garderie, ils vont voir des amis, ils vont voir dans la rue. Et à cet âge-là, ils développent leur personnalité et donc ils sont vraiment très, très influençables. Et ça arrivera à un moment ou à un autre. Si vous faites aussi, si vous appliquez ces méthodes-là, dites-moi ce que vous prévoyez de faire si un enfant fait un caprice et le fait de lui parler ne change rien des fois. Un autre commandement aussi, c'est ne pas créer un tableau d'appréciation. Donc ça non plus, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que les enfants, ils adorent être gratifiés, ils adorent qu'on leur dise qu'ils ont fait des bonnes choses, et ils adorent voir en fait toute l'avancée qu'ils ont fait dans la journée, toutes les bonnes choses qu'ils ont fait dans la journée. Moi, mon fils, il a un tableau avec toutes les responsabilités de la journée. Nous, on les appelle responsabilités, pas obligations. Il a pris ça à la garderie aussi. Par exemple, cette semaine, il est responsable du repas. La semaine prochaine, il est responsable du tableau. Donc ici, il a certaines responsabilités. Donc le matin, faire son lit. Bon, il a 4 ans et demi, il ne le fait pas complètement tout seul, mais on l'aide. Mais il est très content de savoir qu'il a fait son lit, qu'il a mis la pastille. Ok, il mange, il se brosse les dents, il va aux toilettes, il prend son bain. Donc on lui fait prendre son bain, mais il a l'impression d'avoir rempli ses responsabilités-là. Donc je pense que c'est très, très important ce genre de dispositif pour les enfants. Toujours, ça dépend de caractère de votre enfant, mais en général, vers l'âge de 3, 4, 5 ans, ils sont très, très rebelles. C'est, je dirais, préadolescence, super tôt. Mais ça, c'est, en tout cas pour nous, ça a sauvé vraiment nos journées, nos matinées. Quand il ne voulait plus aller à l'école, maintenant, il est content de mettre la case, aller à l'école, je mets la pastille et je sors. Ça marchera très bien et pour aller dormir la nuit aussi, c'est miraculeux pour nous. Alors, le commandement d'après me fait un petit peu rigoler, c'est respecter l'intimité de l'enfant et ne pas rentrer dans sa chambre sans y être invité. Non, pas vraiment. Même si vous sécurisez la chambre de l'enfant au maximum, vous savez pas ce qu'il peut faire à l'intérieur quand elle est fermée et qu'il est tout seul à l'intérieur. Moi, bien sûr, je vais toquer, je vais dire à toc toc, Rawan, est-ce que maman peut rentrer dans la chambre, s'il te plaît? Mais s'il refuse et il continue à refuser que je rentre dans la chambre, bien sûr que je vais rentrer. Je vais m'assurer qu'il ne fait pas quelque chose de mauvais pour lui ou de dangereux pour lui. Il peut y avoir des jouets adaptés à son âge, mais il peut essayer de les mettre dans la bouche d'une manière ou d'une autre. Donc, vous savez, à cet âge-là, en fait, c'est pas vraiment. On doit leur donner plein de responsabilités, les rendre autonomes, mais on doit les surveiller. Donc, à un moment, oui, je vais rentrer dans sa chambre sans demander, enfin, en demandant son accord, même s'il refuse, je vais rentrer. Et si vous lui faites prendre un bain, vous rentrez pas dans l'intimité. C'est pour ça que je trouve que ce commandement est un petit peu bizarre. Je pense que faire prendre un bain à un enfant, c'est rentrer encore plus dans son intimité que rentrer dans sa chambre. Un autre commandement aussi très très difficile à appliquer pour moi, c'est ne pas confisquer un doudou ou une tétine. Il y a un certain âge où l'enfant doit évoluer et doit se passer de ces choses-là pour évoluer tout simplement dans la vie. Ne pas mettre par exemple toute son affection à un doudou ou plutôt la partager avec la famille. Là, il doit se détacher petit à petit du doudou. Je suis d'accord qu'on n'arrache pas un doudou à un enfant, mais on commence à l'habituer petit à petit à des petits moments où vous l'enlevez sans qu'il se rende compte. Pareil aussi pour la tétine. La tétine, on a dû forcer nous avec mon fils pour l'enlever parce que à presque 4 ans, il avait toujours la tétine et il y avait un risque pour ses dents que ça commence à se déplacer avec la tétine. Donc oui, à un moment, il faut prendre les devants et enlever par exemple la tétine. C'est pour des raisons de santé et c'est mieux pour lui. Donc vous faites ce qui, si vous faites le bien pour lui,
toujours avec amour, comme je disais au début. Un autre commandement aussi, ne pas utiliser les étiquettes positives ou négatives. Ça va un petit peu avec le tableau d'appréciation de tout à l'heure. C'est quelque chose de très très important avec les enfants, leur montrer qu'ils ont fait des choses positives. Et quand ils ont fait des choses négatives, ça leur fait prendre quand même conscience. Parce qu'on ne se rend pas compte que le cerveau d'un bébé est vraiment... On ne sait pas ce qu'il est capable de faire un bébé jusqu'à ce jour-là, mais un bébé c'est très 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 intelligent. Donc les points négatifs qu'il fait, au moins mon fils par exemple, quand il ne met pas toutes les cases, elles ne sont pas remplies, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté certaines responsabilités ou qu'il ne les a pas faites, ça le pousse le lendemain à faire mieux, à avoir tout son tableau rempli pour la semaine. Donc moi je pense que c'est une idée qui peut sauver plein plein de mamans. Un autre commandement, c'est ne pas habiller un enfant s'il veut rester tout nu. Je pense que le bon sens doit être utilisé avec les enfants au maximum, leur expliquer tout ce qu'on fait, tous les gestes qu'on va faire envers eux, tous les expliquer, leur expliquer aussi pourquoi ils ne doivent pas rester tout nus. Et sachez aussi que nous, il y avait une phase où mon fils, il voulait rester tout nu, comme ça, c'était la phase où il enlevait la couche, mais il s'est trop habitué et dehors, il y a des moments où il essayait d'enlever ses vêtements. Donc, essayez de leur expliquer et non, en fonction de la météo aussi, ils doivent s'habiller d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de prendre les devants tout gentiment et avec beaucoup d'amour. Je trouve qu'il y a plein d'autres commandements qui ne me conviennent pas à moi ou qui font culpabiliser énormément de parents. Si vous voulez une deuxième partie sur cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire. Très très important, je dois vous dire, je vous le dis tout le temps, vous êtes des super parents, vous êtes des super mamans. Tout est fait avec amour, tout ce qui est fait avec amour ne peut être que bien pour vos enfants. Ne culpabilisez pas, c'est très 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 important. Donc voilà, et juste de l'amour pour vos enfants et tout ira très 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 bien. Et tout ça, tout ce qui se dit en ce moment, mettez aussi en tête que c'est un petit peu aussi commercial, comme avec la méthode Montessori. Les gens vont se mettre à acheter certains accessoires, certains produits pour aller un petit peu dans cette thématique-là. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour un enfant, rassurez-vous, vous avez juste besoin d'amour, comme je vous disais au début. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres sujets comme ça, sujets tabous, auxquels aussi on ne parle pas beaucoup, sujets culpabilisants pour les papas, les mamans, mettez-le moi en commentaire. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très bientôt. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous.